Alors, comment ça va, Melvin? Écoute, ça va, hein? Content d'être de retour sur Paris? Ouais, c'est plaisir de venir un peu chez toi. Ah, c'est un peu... Voir le beau temps, les gens de bonne humeur, pas trop stressés. C'est... La vie parisienne, quoi. Ah, c'est Paris, quoi. Tu te souviens de ça, un peu? Ah ouais, ça me dit quelque chose. Trophée LNH, voilà. Qu'on a reçu la fin de saison dernière. C'était notre dernière rencontre. C'est ça. C'est clair que c'était pas l'objectif premier de chercher ce trophée. Après mon objectif, voilà, c'est de gagner le maximum de matchs avec mon club, d'aller le plus impossible dans toutes les compétitions et de me faire plaisir dans le jeu. En plus, je suis super content à Montpellier, même si j'ai encore un an de progrès à faire. Mais bien sûr. Je travaille petit à petit en espérant que cette saison, on va réussir à gagner des trophées, quoi. Et toi, alors, c'est ta saison, comment c'était? Ça s'est plutôt bien passé parce qu'on remonte en Lidl Star League après 2 années. Et on est très content d'être de retour parmi vous, de faire des grands matchs contre des grosses équipes. C'est ce qu'on voulait et l'objectif a été atteint, donc c'est très bien. Non, en plus, ce qui est bien, c'est que tu es devenu un leader et tout, et c'est ça qui est bien dans ta façon de jouer, ta façon d'être dans l'équipe, et ça montre que tu es devenu un boss maintenant. un boss, je dirais peut-être pas un boss, mais c'est vrai qu'au fil des années qui se sont passées, j'ai pris un peu plus d'assurance, forcément, de l'expérience aussi, et cette année, ça a été quand même un déclic. Ça sera peut-être pas la même chose. Mais on sait jamais. Voilà. On sait jamais. Être ambitieux. Et puis, c'est ça. Et puis, on commence. Pas trop me faire chier non plus. Et puis, on commence chez vous. Donc, ça serait bien d'aller gratter des points chez vous, quoi. Ça serait pas mal. C'est clair. Pas mal. Non, mais le pire, c'est que, tu savais, ça, que mes 2 derniers matchs contre Créteil, je les ai perdus. Avec Chambéry. Vous avez battu 2 fois. C'est vrai, je me souviens. Chez vous et chez moi. Au buzzer, je me souviens, on a gagné. Putain. Et chez nous. Ouais, je m'en rappelle, moi, toi. Ouais. Je m'en rappelle. Ça remonte un petit peu à longtemps, mais les souvenirs, ils sont encore là. Dès qu'on a su qu'on joue contre vous, on s'est dit, ça va être un gros morceau et puis ça va nous mettre dans le bain directement, tu vois. Ouais. On sait que ça va être difficile, mais voilà, c'est ce qu'on a voulu en remontant en Lidl Star League, c'est affronter les grosses équipes. Et vous, on sait que vous faites partie des favoris quand même au titre de champion de France. Donc on se prépare de la meilleure des manières. Je vais pas te dire comment on s'est préparé. Tu vas jouer arrière, ailier, demi-centre. Ça je te dirai pas, ça c'est surprise. Change mes notes alors. Je peux pas te dire ça. Je sais qu'on est capable de battre des équipes à la maison et même faire des surprises à l'extérieur. Et nous on a quitté la Lidl Star League il y a 2 ans, donc ça a évolué entre temps. Et qu'est-ce qui est toi avec ton expérience et quels sont les déplacements un peu les plus difficiles, j'ai envie de te demander? Tu vas avoir le PSG, tu auras toujours envie de multiplier, tu sais que ça va être très difficile. Tu auras les équipes comme Nantes, Chambéry, mais toutes les équipes. En plus, les équipes ont pas mal changé, il y a des nouvelles recrues. Donc, à voir. En tout cas, ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler entre vous, Paris, Nantes, qui a changé quand même pas mal son effectif, Chambéry, qui a fait une grosse saison l'année dernière. On a suivi un peu tout ça. Et c'est vrai que ça va être un championnat super intéressant. Comme Istres, on les voyait descendre l'année dernière. Et au final, ils ont fait une remontée. Franchement, ils m'ont vraiment surpris. Et j'ai eu beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. C'est vraiment incroyable. Tu as marqué combien de buts l'année dernière? Tu te souviens un peu? Peut-être plus ou moins 150, j'ai envie de te dire. T'as mis 161. Oui. Le problème, c'est que tu as raté tes 2 contre-attaques en finale là, et tu aurais pu passer devant moi. C'est pour ça. Moi, je suis à 162. Oh merde. Mais c'est pour l'anecdote. Ah, mais quand même, j'aurais bien aimé finir devant toi. En plus, j'ai raté des pénalties pour que tu. T'as fait exprès en plus de rater des pénalties pour que tu. Okay. Non. Quand tu marques, ou même je dirais quand tu fais une bonne passe décisive, tu sens le public derrière toi qui fait t'entendre le waouh, qui crie et tout. Et c'est beau parce que, en fait, t'es là pour offrir du spectacle au public. Et eux te le rendent aussi. Quand t'es sur le terrain, quand t'as une super ambiance, tu vois du spectacle. Et moi, c'est une grande partie pour ça que je fais ce sport, quoi. C'est de vivre ces moments-là. Ça reste un sport avant tout, même si c'est quand même notre métier. C'est clair. Mais au final, ça reste quand même du sport. C'est clair. Et quelque chose qu'on doit partager aussi avec, bien sûr.
avec le public, les enfants qui nous regardent, on est quand même des exemples pour eux. Ça. Donc quand tu vois la fin du match, on fait le tour d'honneur, on tape dans la main, tu vois le sourire des enfants. Ouais. Bon, t'es à leur place. Hein, ouais, c'est ça, on est passé par là. Donc, t'es content quand il y a un petit joueur pro qui vient, qui te check. Ça fait toujours plaisir, une petite photo. Ouais, quand je joue, c'est que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est énorme d'offrir du spectacle au public. Quoi. Chambéry, je sais qu'il y a pas mal d'ambiance à Chambéry. À Nantes aussi. Ouais. Le public, il est quand même assez reconnu. À Nantes, ils ont battu les records d'affluence sur les matchs. Donc, même Montpellier, chez vous, c'est les salles qui font rêver. Hein. Ça te fait quelque chose aussi, toi, quand tu joues dans des grosses salles comme ça? Je le ressens plus quand on joue à Créteil, même chez nous, à Créteil. Bien sûr. Moi qui suis né à Créteil, qui ai tout vécu à Créteil, j'ai fait toutes les catégories. Et maintenant, d'être sur le terrain et marquer des buts, ça fait toujours plaisir. J'essaye de rester sérieux, mais au fond de moi, je suis comme un ouf. Triche pas, hein. T'es ready? Hoppa! Tu veux marcher retour? Tu vois gauche toujours? Non, ça va être le bras droit cette fois-ci. Ah ouais! Tu vois, regarde, là, il y a rien, ça c'est rien, ça. Attention. Allez, vas-y. Ah, je t'ai dit. Super play. On se retrouve bientôt. C'est clair. Bon, j'espère que vous ne commencerez pas votre saison, comme tu m'as dit, contre nous. Peut-être après, moi ça ne fait pas de problème. On va pas se gêner. Je serai derrière vous, mais peut-être pas le 4 septembre. Okay. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être en revue et puis pouvoir rejouer contre toi et te voir évoluer, c'est toujours un plaisir. Pareil, bon, franchement, ouais. C'est un plaisir. Vas-y mon gars. À bientôt.